Chenilles processionnaires, pucerons ou charançons, la Côte d'Azur et son climat méditerranéen regorgent de petites bestioles pas toujours les bienvenues. Pour certains, plus question d'utiliser des pesticides polluants et cancérigènes. À Valbonne, la mairie a choisi une méthode plus douce, introduire des insectes pour lutter contre les nuisibles. Le choix s'est porté sur le chrysope. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Ils vont circuler sur un arbuste, sur un arbre. Tous les petits insectes qu'il va rencontrer, il va les dévorer. Quand il n'y en aura plus, ils pratiquent le cannibalisme. Et c'est pour ça que leur extinction est programmée. Donc il n'y a pas d'effet invasif, il n'y a pas d'effet nocif. Déposer artificiellement des insectes peut tout de même dérégler la biodiversité. À Carros, Nicolas Lassoc, maraîcher bio, privilégie une autre méthode. Là, par exemple, on a des cosmos qui sont ici. Donc, c'est dans une serre de tomates. Donc là, c'est juste pour avoir des butineurs qui vont venir ici. Et ça va amener des insectes qui vont servir à combattre des ravageurs qui sont sur la tomate. 10% de la serre sont réservés aux plantes mellifères, nourriture privilégiée des pollinisateurs. Pour comprendre l'action de ces insectes sur les cultures, il suffit d'observer certaines feuilles. On voit que le puceron, des petites boules, il a été parasité par une petite guêpe qui s'appelle Aphidus colemani, donc qui pond en fait dans le puceron. Une fois qu'elle a pondu, le puceron meurt et il y a une autre guêpe qui va sortir, qui va venir butiner, qui va repondre, etc. Donc quand on est du puceron, c'est pas grave, il ne faut pas traiter directement sans réfléchir. On laisse faire et la nature fait le reste. Donc il y a un ou deux plants au final sacrificiels qui vont se faire attaquer et ça va mettre en place tout le système et après je suis tranquille pour la saison. Propice à l'autorégulation du vivant, tas de broussailles et toiles d'araignées sont les bienvenus sur cette exploitation. Seul un coup de pouce est parfois nécessaire. Alors ça, c'est un plant de tabac qui n'est pas endémique d'ici, mais qu'on utilise parce qu'elle abrite un type d'insecte qui s'appelle le macrolophus, qui est une petite punaise verte. Alors on dit que punaise, c'est néfaste, enfin on essaie de s'en débarrasser. Mais celle en particulier, elle est très très efficace. Et elle mange notamment des chenilles. Et en fait, le macrolophus va pondre et se loger dans les pieds de tabac. En plus du gain de temps, cohabiter avec les insectes favorise une meilleure production. La présence d'abeilles ou de bourdons améliore les récoltes d'au moins 20%.